Il a fallu 35 ans pour m'accepter dans une glace et grâce à Gainsbourg, parce que j'ai tourné un film avec lui, Charlotte Forever, où je devais courir nue dans un couloir. Oh, les beaux yeux, on dirait des agates. Alors c'est toi Charlotte? J'ai essayé de lui démontrer que vraiment ça allait être laid, moche et tout, mais il voulait que ce soit moi. Et au dernier moment, il m'a déshabillée. Et là, c'était simple. Où je partais, je claquais la porte, où j'acceptais mon corps en entier. Et il a fait ce miracle. Je vois pas bien. En fait. Aujourd'hui, je me regarde dans les glaces tout le temps, dans les vitrines. Je prends même plaisir à me regarder, à me trouver bien d'ailleurs, même si c'est pas vrai, mais en tout cas, je me trouve bien, donc c'est important. Et il faut avoir le courage, l'amour de soi, de se dire, c'est moi. J'ai pas à me nier. De toute façon, c'est... on peut pas le changer, ce corps-là. Hein. Ça va? Salut. Bah, nous aussi. Je colle un peu ce matin, déjà j'ai chaud. Ça va? En 89, j'ai créé avec Françoise l'association Allegro Fortissimo pour aider les gens qui nous ressemblent. Le but d'Allegro Fortissimo, c'est non pas de dire aux gens « restez gros », c'est simplement pour essayer de leur dire « sortez de chez vous » parce que la vie, elle est dehors. Vivre enfermé, c'est la mort lente et il n'y a pas d'issue. L'association, ça permet simplement pendant un petit moment de pouvoir faire des choses pour se réintégrer dans ce monde-là et d'y aller victorieusement. Je crois qu'il faut que les gens nous acceptent, nous accueillent, parce que c'est super de pouvoir faire du sport à son rythme. Et malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. On ne nous accepte pas partout. On est un peu les pestiférés encore dans beaucoup de salles. Et c'est vraiment dommage parce qu'on a envie d'être avec les autres et aussi de pouvoir s'oxygéner un petit peu. J'en peux plus. Alors pour aujourd'hui, les filles, ça va, stop. On va baisser. Il y a quelques années, 2 ou 3 ans, je sortais pratiquement pas de chez moi. Et un jour, j'ai rencontré Hans Zamberlan. Ça m'a fait quelque part un peu l'effet d'un miracle, d'une seconde naissance. Parce qu'à ce moment-là, j'ai repris goût à la vie. J'ai fait des défilés avec Anne. Et le fait de pouvoir passer sur scène face à des gens qui nous admirent, c'est quelque chose d'absolument fabuleux, en tout cas pour moi. J'ai réalisé aussi que j'avais un corps de femme et que les femmes attirent les hommes. Ça paraît idiot comme ça à entendre, mais j'avais aucune conscience que j'avais un quelconque pouvoir de séduction. Donc j'ai rencontré quelques personnes, dont une qui m'a particulièrement fait comprendre que je suis belle, que je suis désirable, que je suis féminine. Et que je suis attirante. Bonjour. Un soutien-gorge? Oui. Avec armature. Avec armature. Quelle taille? 110, 110, 115. Quand on veut aller dans un magasin de vêtements, on est obligé de demander donc les plus grandes tailles. La plupart du temps, ils n'ont rien pour nous. Donc, ce qu'on arrive à trouver, on remercie le ciel de l'avoir trouvé, quand c'est pas trop laid, quand c'est pas trop cher non plus. J'ai une amie qui est styliste, qui s'appelle Florence comme moi. Je lui ai demandé de me faire un maillot de bain parce que c'est très difficile d'en trouver un dans les magasins qui me plaisent. Et toi? Super bien. Vas-y, là, c'est à toi. Oh, il est vraiment super. Voilà. Ça te plaît? Oh oui, et puis alors, les peintures sont tellement bien faites. Voilà la version finie avec la toge. Tu vois? Donc, attends.
bien. Il faut que je regarde mon corps en face, tel qu'il est. C'est-à-dire plein de plis, de bourrelets. Faut que je l'assume tel qu'il est. Superbe. Merci beaucoup. C'est très difficile pour moi de venir à la piscine parce que il y a le regard des autres qui est terrible. Celui des adultes d'une part et celui des enfants d'autre part à qui on n'apprend pas la tolérance. Je les sens dans mon dos en ce moment même. Je m'imagine qu'il y a des gamins qui sont en train de se moquer de moi, de me regarder. Oh, elle est grosse, elle est énorme. Qu'est-ce qu'elle fait là? Je me sens très très mal en ce moment, très gênée. Mais en même temps, je vais quand même pas me laisser faire. L'association permet d'aller effectivement à la piscine, d'aller sur les plages, d'essayer d'imposer ces images aux autres et de dire voilà, nous aussi, on a besoin d'aller à la mer. Il faut faire la provocation et dire ben voilà, on est grosse, voire très grosse, on va sur la plage, on va se baigner. Si ça vous dérange, eh ben, la plage est grande, vous allez plus loin, vous partez ailleurs. Mais on n'a pas le droit de nous interdire. Quand on va tout seul, c'est infaisable. Quand on va à plusieurs, bon, on arrive à se soutenir, à se passer les paréos un petit peu pour être un peu moins regardé. C'est vrai que c'est gênant le regard, quoi. C'est, je sais pas comment exprimer, c'est que c'est dégradant. Leur regard est dégradant. Ça fait mal. Grosses, on nous qualifie souvent de gros tas vulgaires, c'est quelque chose d'abject. Il y a les filles grosses, on leur propose toujours des rôles de pornographie, de montrer toujours leur sein. Pourquoi mettons toujours les gens dans des choses qui les avilissent dès l'instant où ils sont différents? Pourquoi? Arrêtez-vous! Allez, bande de peureuses, rentrez dans l'eau! Allez! Aujourd'hui, de la solitude, j'en souffre beaucoup moins parce que j'ai mes amis et que si j'ai un coup de blues, ils sont là. Marie, tiens, allez. Je me sens bien parmi elles parce que j'ai pas besoin de parler pour dire quand j'ai mal, parce qu'elles devinent beaucoup de choses, parce qu'elles savent lire au fond de moi et puis que j'ai le droit d'être moi-même. Le fait de lever la tête, de sourire, de parler à des gens, de les regarder en face, je me fais 100 fois moins insulter. Aujourd'hui, j'ai trouvé la paix intérieure. Et ça, c'est très important.